C'est pas grave, j'y vais, donc je lance le jeu et on va commencer à discuter de Doctor Strange, des films Marvel éventuellement, de Sam Raimi qui est le réalisateur de ce long métrage, et de plein d'autres choses. Tais-toi à la musique de Donkey Kong Country, le jeu vidéo il est lancé, je load la sauvegarde, non faut que j'enlève la pause, je load la sauvegarde, je vous mets l'image. Voilà, on est au glacier des gorilles évidemment, on adore ça, vous avez tout qui marche bien, je vérifie juste un petit peu. Oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, attendez, je vais baisser le son du jeu. Et je vais vous le mettre, d'ailleurs, parce que vous ne l'avez pas en théorie. Mais je vais déjà le baisser pour moi et le mettre pour moi. Est-ce que c'est bien, là? Ça vous va, en termes de volume? N'hésitez pas à me dire. Ça va? C'est parfait? Ok, c'est parfait. Eh ben, c'est fantastique. Donc on va commencer, on en était au glacier des gorilles. Donc en fait on a fini que 3 mondes, mais c'est... D'accord, on a fini que 3 mondes, c'est pas grave. On lance le quatrième, qui sera effectivement la neige. Alors la neige en plus, de mémoire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça glisse. Est-ce que là il y a un truc? Est-ce qu'il y a un truc? Oui, il y avait un truc caché. Il y a beaucoup de trucs cachés dans ce jeu. Ah et ça va être un truc un peu nul, j'aime pas les... Ok, est-ce qu'il me montre? Non, il me montre pas spécialement celui où ça y est. Là. Non, c'était là que je voulais viser, mais c'est bien là que je visais, mais non, mais merde. Bon, bah tant pis, je l'ai pas eu. Donc ça commence très bien, ça commence sur du fail total, mais c'est pas grave, c'était pour un niveau bonus. Donc ça m'intéresse pas tant que ça. Parce que comme je l'ai dit dans le précédent stream, les niveaux bonus sont pas ouf. Voilà, donc hier j'ai été voir du coup Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, qui est la dernière production Marvel. Je l'ai vu en super 4DX machin, je sais pas quoi, truc de ouf, avec un gros fauteuil super confortable et tout, c'était vachement cool, au cinéma à Rennes. Et non, c'est nimp. Et il s'avère que j'ai plutôt bien aimé ce film, que j'ai vraiment trouvé chouette. J'ai vraiment trouvé ça cool. Après, je suis pas complètement objectif, parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup Sam Raimi. J'adore ce garçon, et je trouve qu'il fait des films vraiment top. Mais c'était nettement mieux, en fait, que ce que j'imaginais que ce serait. Et donc, j'ai été vraiment sympathiquement heureux de voir ce film-ci. D'autant que c'était pas... Enfin, les films de la phase 4 de Marvel, là, depuis Black Widow, je trouve qu'ils sont plutôt rincés. J'ai pas compris trop le délire dans lequel ils étaient partis. Je suis pas... vraiment fan de ce qu'ils ont fait jusque-là, que ce soit Shang-Chi, The Eternals, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'étais un peu plus sympa, je trouvais ça un peu plus sympa ce qu'ils ont fait sur Disney+, là, avec notamment particulièrement WandaVision et Loki, je trouvais que c'était un peu plus original au moins, et que voilà, c'était plus cool quand même. Mais globalement, au cinéma, je trouvais pas ça super. Alors j'ai pas tout vu, j'ai raté, les deux seuls trucs que j'ai pas vu encore sont... comment ça s'appelle ce truc là, Captain Falcon and the Winter Soldier, ça j'ai pas vu, et What If, j'ai vu que les deux premiers épisodes de mémoire, donc j'ai pas vu grand chose de What If non plus, et j'ai pas vu non plus Moon Knight. Oh, je suis débile, j'ai pas vu non plus Moon Knight encore, j'ai vu pareil les deux premiers épisodes de Moon Knight, et après j'ai pas maté. Donc voilà, et mais du coup j'étais plutôt déçu, et même le Spider-Man que je me disais, bah ça va être plutôt cool, parce que c'est Spidey. Ça, tout va bien. Parce que c'est Spidey et qu'il commence à amorcer le délire du multivers, qui est un délire qui moi me plaît bien, hein, ça on va pas se le cacher, parce qu'il y a des thématiques dans ce truc-là que je trouve vraiment chouette et que j'aimerais voir au cinéma bien fait. Waouh. Et bah, j'ai pas trouvé ça si convaincant que ça, le Spider-Man. J'ai trouvé que c'était très fanservice. Ah putain, j'ai encore raté une lettre. Les lettres, ça va pas le faire. Hein. Les lettres, waouh, ça va trop vite, ça. Ça, c'est les tonneaux des enfers. Oui. Et je débloque le succès Rambi Rampage et on va se faire un petit niveau bonus nul de Rambi. Voilà, l'épisode 4 de What If, il est vraiment bien. Il y a quelques épisodes de What If qui sont... J'en doute pas. Les premiers m'ont pas convaincu non plus que ça, mais je doute pas qu'il y en ait d'autres qui soient cool. De toute façon, c'est des standalone, c'est des petits courts-métrages. Donc forcément, c'est la qualité de l'un ne prévaut pas de celle de l'autre, mais de celle des autres. Mais je regarderai probablement. Il y a des trucs sympas. Je sais qu'il y en a un qui est What If Zombie, enfin Marvel Zombie... version What If qui revient un petit peu, ça peut être assez cool. Mais bon, voilà, mais globalement, voilà, c'est pas une phase que je trouve très intéressante, c'est globalement pas les films que je trouve très bons, merci beaucoup à toi, Ren Picaro, pour le sub. Mais, franchement, c'était, enfin, voilà, il y a que le Spider-Man, en fait, je suis un peu partagé, parce que je le trouve pas ouf, mais je trouve que quand même, il y a des trucs sympas. Je trouve juste que c'est un petit peu abusé. Moi, je trouve que les films... Mais même les productions Disney globalement sont vraiment
pourri d'intertextualité. Et du coup, le Spider-Man, je trouve que c'est abusé à quel point les portails multidimensionnels du film ont vu les films précédents. Quoi. Moi, je trouve ça très... Alors, on va me dire, c'est pas... Waouh ! Waouh, je suis un ouf ! Ok, je suis un génie. Tout se passe très bien pour l'instant. Non ! C'est pas grave, on n'a pas peur parce qu'on a aussi Donkey. Oh, j'ai fait n'importe. J'ai fait absolument n'importe. Voilà. Elle me stresse. Non, 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 non plus. Voilà, ça, on va commencer à rentrer. Alors, merci beaucoup à toi, ok, Violet, et merci beaucoup à toi, Club du Fil Rouge, pour les subs, vous êtes adorables. On va rentrer dans les niveaux où je vais galérer de ouf. Je vous le dis direct, on est à la moitié du jeu à peu près, je vais galérer de malade. Donc, c'est pas grave, on va y arriver. Mais du coup, oui, je trouve que l'intertextualité dans les films Marvel et globalement dans les productions Disney, et même un peu dans tous les blockbusters du moment, quelque chose d'assez dérangeant, et je trouve que c'est abusé qu'il y ait des portails interdimensionnels qui fassent un peu arriver au hasard des personnages ennemis ou amis d'ailleurs de Spider-Man, et que ce soit à 100% des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres films sous licence Spider-Man. Ça me pose vraiment problème. Et je sais pas... Il y a plein de trucs comme ça, en fait, je trouve, qui me posent problème dans le cinéma un peu actuel, dans les blockbusters actuels, quoi. C'est ce truc d'intersexualité. Il y a un peu ça dans Doctor Strange aussi, mais un peu moins, parce que justement, le fait... C'est aussi une histoire, bon, pour le coup, c'est pas un spoil du tout, c'est aussi une histoire de bougez pas. Putain, mais je suis nul. C'est aussi une histoire de multivers, évidemment, ça vous l'aurez compris, ne serait-ce que du fait du titre. Un peu plus poussé que dans No Way Home, dans le dernier Spider-Man. Mais... c'est dur. Attendez, je vais me concentrer, je vais passer ce truc-là et je reviens pour parler de trucs parce que là, sinon, je vais pas y arriver. Et là, il me fait bader, là, cette abeille des enfers. Qui est une guêpe, d'ailleurs, qui est clairement pas une abeille. Bougez pas. Oh là là, mais elle passe tout le temps devant le truc. Allez, voilà, on est bon. Voilà. Oh non, mais là, vas-y, quoi. Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Ok. Allez, mon gars. Oh là, cet enfer, putain. Donc comme je vous l'ai dit, certains niveaux de ce jeu-là, effectivement, ont tendance à, j'allais dire appauvrir, mais c'est pas dans le sens mauvais, hein, c'est pas une critique ce que je fais. Mais c'est-à-dire ça appauvrit le gameplay dans le sens où ça le réduit à son plus strict minimum. Dans certains niveaux, il n'y a plus qu'un seul bouton qui joue, en fait. Et là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul bouton qui joue, c'est celui qui me permet de tirer. Le fait est que ils arrivent à faire un truc qui est quand même de plus en plus complexe. Oh, putain, mais comment je fais, en fait? À quel moment? Non, pas là. Pas là non plus. Pas là non plus. Là? Oui. Putain. Oh. Et j'ai toujours pas le haut, du coup. Ok. Putain. Mais c'est horrible. Là, mes yeux même arrivent pas... C'est horrible, parce qu'en plus, il y a la neige qui passe devant et tout, quoi. Ils étaient durs, les jeux, à l'époque. Ouf. Oh là 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 là, c'est terrible, les amis, c'est terrible. C'est un fail total. Attends, je vais me concentrer. Il me faut de la concentration de ouf. Je vais saluer les gens qui m'ont... à chaque fail, je vous dirai merci. Donc, comme ça, habituez-vous à ce que je perde. Mais au moins, la défaite n'est pas trop chiante, parce que du coup, ça me permet de vous dire que vous êtes super sympa. Donc, j'ai dit merci à OK Violet, j'ai dit merci à Club du Fil Rouge, mais il faut aussi que je dise merci à Megarchimède, qui est super... Putain, qui a offert 20 abonnements. C'est complètement la folie, en fait, Megarchimède. Bah, merci beaucoup à toi, Megarchimède. Tu es adorable, tu es trop chou, et c'est pour ça que j'entends des alertes sub depuis tout à l'heure. Tu es trop mignon, et je te fais des gros gros bisous. Et merci à Vakaos aussi, qui a pris un sub. Vous êtes tous trop mignons. Donc, ce niveau est difficile, on va sûrement galérer, mais c'est pas grave parce que j'ai une trentaine de vies et une sauvegarde pas loin. J'ai 35 vies et j'ai une sauvegarde pas loin. Donc on va y aller, tranquille, hein, ça va se faire. On va forcément finir par y arriver. Wop, 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 wop. Si j'évitais par exemple de perdre Didi aussi rapidement, peut-être que ça me permettrait de faire quelque chose sans avoir une seule chance, quoi. Parce que si... Je vais y arriver, je vais y arriver. Tout ça, c'est une question de no stress. Voilà. Je me demande si je rate en boucle la lettre O ou si en fait je l'ai raté avant le checkpoint. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, c'est qu'il y a des putains de guêpes qui me stressent. Des guêpes des enfers, des guêpes qui vont vite, des guêpes qui vont moins vite.
Yes, mais ça c'était fait exprès. C'était complètement voulu. J'espère que vous avez pas eu peur, parce que moi pas du tout. Et ça aussi c'était fait exprès. C'est pour voir si vous suivez. Ah là, c'est un enfer. Bon, ça va être très dur. Je suis désolé pour ces fails en boucle. Je vais vraiment essayer de faire le maxi-max pour vous faire quelque chose de propre. Mais c'est dur. Ah, j'ai dit que je remerciais à chaque truc. Mais peut-être qu'il n'y a personne à remercier aussi. Parce que là, du coup, j'entends des trucs à balles. Il n'y a qu'une seule personne à remercier. C'est Opalastur. Mais il le mérite. Il le mérite parce que c'est son 26e mois d'abonnement. Et il le mérite de ouf. Je t'embrasse très très fort. Hop. On va faire ça. Tac tac tac. Ah, c'est dur en termes de compression ? Évidemment que c'est dur pour vous en termes de compression, bien sûr, parce qu'il y a de la neige qui passe et que ça doit être horrible sur Twitch. Moi, ça va. Du coup, vous devriez venir à la maison ? Ça serait plus simple. Hop. Allez, cette fois, je me concentre encore plus. Là, c'est triple concentration. C'est vraiment... je crois que c'est... On peut pas faire plus concentré que moi. Allez. Oh, c'est un enfer. Oh putain, et en plus il m'a... Oh, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Ouais. Alors, je vais me concentrer, encore une fois. Mais alors là, je pense que ça va être très très dur. Grâce à toi, j'ai vu Apollo 10 et demi et j'ai trouvé ça très cool. Ça me fait super plaisir. J'en profite aussi pour faire un petit merci à Floriban qui a pris un sub entre-temps. Et ouais, c'est trop cool quand même, Apollo 10 et demi. Je suis très content et j'en profite tiens pour le re-recommander celui-là parce qu'il est vraiment génial. Si vous n'avez pas vu le dernier Richard Linklater, Apollo 10 et demi sur Netflix, c'est sur Netflix, vous pouvez le regarder et c'est top, c'est vraiment cool, c'est un joli film, c'est vraiment un beau film. C'est superbe, voilà, je vous recommande encore une fois Apollo 10 et demi. Allez, on se concentre cette fois encore plus, on va y arriver, allez c'est parti, c'est parti. C'est parti les jeunes. Mais c'est marrant, j'ai vu, ça fait, c'est la deuxième fois que j'entends parler de Letterboxd mardi aussi quelqu'un a référencé ce site-là. Alors c'est un site qui permet de traquer les films qu'on regarde. Et je ne sais pas, en fait je connais ça depuis longtemps. J'avais ouvert un compte il y a très longtemps sur Letterboxd. Maintenant j'utilise un peu Tract et un peu un autre truc dont j'ai oublié le nom pour les jeux vidéo parce que je joue pas assez aux jeux vidéo pour m'en souvenir. Mais il y a une actu avec Letterboxd, ils ont changé peut-être leur interface ou quoi? Ou c'est juste parce que là c'est arrivé à la mode pour une raison que je ne connais pas? Voilà, c'était une question pour vous. Faut que j'arrête de laisser des silences après une question pour vous, comme si vous alliez me répondre tout de suite à l'oral alors que vous allez me répondre un peu en décalé et à l'écrit. Voilà, c'est bien ça. Ça c'est cool, on adore. Ok. Ah, on me dit non, c'est juste un site sympa. Et du coup, Sens Critique a changé son interface, mais pas Letterboxd, ok. Ah, moi, le site que j'aime beaucoup, alors ça concerne que la ZIC, mais je crois qu'ils sont en train de faire des trucs un peu pour le cinoche et le jeu vidéo. C'est Rate Your Music. Si vous connaissez Rate Your Music, je trouve que... Oh putain, mais c'est une galère. Oh, j'ai eu peur et du coup, j'ai fait prout. Je vais y arriver... Oh là là! Ah. Non! Allez! Allez, allez, allez! Voilà, voilà, voilà. Mais je pense que j'aurais dû tirer en fait en diagonale. Diagonale avant haut. Pas Ouais, c'est le speedrun des enfers. Hein. C'est pas... ça speedrun pas de ouf. Ah putain, cet enfer. Je suis désolé. Merci beaucoup à toi, le bruit et l'odeur. Et merci beaucoup à toi, Anonymous, pour respectivement les subs et les bits. Vous êtes adorables. Oh là là.
C'est horrible. Il me semble que c'est dégueu, c'est normal. De quoi parles-tu ? C'est dégueu, c'est normal. La qualité, si c'est la qualité de l'image dont tu parles, c'est effectivement parce que ça compresse. Attendez, je bois un peu de... C'est honteux que tu rates, on se désappone. J'espère qu'il t'en faudra plus. J'espère que c'était juste une blague, Oidel. Parce que tu vas me voir échouer plein de fois. Là, aujourd'hui, on fait... c'est la deuxième partie du jeu, un peu. Donc, on fait un truc... Alors, de Masque Zero, j'ai parlé un peu de... Enfin, vite fait, j'ai évoqué... le Dune de Denis Villeneuve hier, donc n'hésite pas à checker le replay. J'ai dit que je trouvais ça plutôt sympa. Moi, je suis pas très fan de Denis Villeneuve, mais celui-là, je le trouvais plutôt sympa, mais qu'en même temps, je suis pas un connaisseur de Dune du tout. Parce que j'ai juste vu le film de Lynch et le docu sur celui de Jodorowsky, mais je n'ai pas... j'ai jamais lu, en fait, Dune. Et c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, toujours, mais ça fait très longtemps que je le dis. Mais en même temps, c'était ces grosses œuvres de SF comme ça, les trucs un peu denses. Il y a quelque chose d'un peu impressionnant à se dire, est-ce que je vais vraiment me lancer dans ce truc-là, quoi ? Parce qu'il y a plein de bouquins, il y a plein de trucs, il y a des communs de fans de ouf, genre il faut vraiment se renseigner un peu. Moi, j'aimerais bien faire les jeux Dune, parce que j'y ai pas joué, en fait. Et c'est des jeux cultes, en fait, de l'histoire du jeu vidéo, les jeux Dune. Je sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Mais Mais oui, j'aimerais bien vous en parler, mais je connais pas assez la licence. Donc je sais pas, pour moi, je sais pas si Villeneuve a fait un truc cool pour les fans de Dune, je sais pas. Je trouvais que c'était... C'était Villeneuve sur 20, c'est quand même, il y a du, ça sent le Denis Villeneuve, il y a un côté un peu pompeux que moi je trouve un peu dans ses films, qui me déplaît un peu, mais là je trouve que ça allait plutôt bien avec ce que ça racontait, donc j'ai plutôt pas été déçu par Dune, enfin j'ai même été plutôt surpris en bien. Ouais, voilà, les raccourcis les gars, mais c'est ça, vous jouez normal, mais non, c'est pas comme ça. Mais celui-là, c'est infernal, quoi. Celui-là, il me fait tellement peur. Waouh. Sicario, c'est pas le pire. Je suis pas un grand fan. Pareil, on me l'a trop bien vendu. Je crois que c'est Gilles qui m'avait dit qu'il trouvait ça super, Sicario. Moi, en le voyant, j'ai pas trouvé ça génial. Je crois que je préfère même le 2. Le 2, je le trouve cool, d'ailleurs. Alors. C'est pas possible. Ça me stresse tellement. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, là, j'ai pas eu peur. Je me suis juste trompé du timing. Vas-y. Y'a quoi? Mais je suis con, en fait. Je suis juste débile. C'est ça. Le problème, là, c'est pas une question de skill ou quoi. C'est juste que vraiment, j'ai pas de cerveau, quoi. Parce que, en fait, je suis tellement heureux de traverser le moment relou que, du coup, je me fais fumer par le truc facile d'après, quoi. Non, non, mais les gars, on va y arriver. J'ai 30 vies. J'y arrive avant le game over, quand même. C'est pas possible, quoi. C'est génial. C'est le premier niveau de ce stream. C'est-à-dire que vous n'avez rien vu. Mais ça va se passer, je m'en fous, ça va se passer. C'est un jeu qui demande de la persévérance, de toute façon, comme tous les Donkey Kong Country. C'est des jeux qui demandent... Putain, c'est des jeux qui demandent aussi de pas être stupide. Au pire, on te donne la solution. Non, 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 me donnez pas la solution. Je vais y arriver, je comprends ce que c'est, je comprends ce qu'il faut faire. Je vais y arriver. C'est simplement que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais après, c'est pas grave. Est-ce que vous aimez pas être dans ma compagnie pendant que je galère et que je souffre? Et qu'en plus, je transpire un peu parce qu'il fait chaud chez moi? C'est ça? Vous avez... Ça vous... Il va falloir que je songe à enlever ce pull. Mais ouais, non, ça, on va y arriver. On va y arriver, les gars. Tout vient à point à qui réessaye 1000 fois en souffrant. Putain, mais c'est pas beau. Je ressens de la douleur physique à chaque mort. Oui, il y a une espèce de crispation qui, je pense, s'entend. Moi, je ne mets pas de webcam, donc vous ne pouvez pas voir ma crispation. Mais il y a une légère crispation. Après, soyons clairs, c'est un jeu vidéo. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. On va pas non plus se prendre la tête, mais... C'est un jeu vidéo qui me stresse, là, quand même. C'est un jeu vidéo que j'aimerais bien avoir. En plus, c'est trop cool, parce que, genre... C'est le niveau où la compression est dégueulasse, parce qu'il y a de la neige 16 bits qui passe devant les tonneaux. Où ça, les ennemis vont super vite et tout, donc c'est vraiment pas, j'imagine, le truc le plus agréable du monde à regarder. Mais encore une fois, ça pourrait être pire. Il y a des choses bien pires à regarder, telles que... J'allais être méchant envers des hommes politiques. Alors attends, hop. Ah oui, c'est parce qu'on a parlé de Sarkozy.
Allez. Putain. Eh, franchement, les gars, c'est chaud, hein. Je vous jure, le niveau, il est chaud de ouf, hein. Parce que, alors, c'est dur pour moi de voir aussi, quoi. Il y a beaucoup de neige et c'est... On va y arriver. Sinon, n'hésitez pas à regarder mon live d'hier où je suis plutôt pas trop mauvais, quoi. Enfin, où j'avance. J'avance, en tout cas. Ça, c'est clair que j'avance. Je pense pas être resté bloqué plus de 2 vies, 2-3 vies par niveau, quoi. Un truc comme ça. Enfin, je veux dire, les niveaux sur lesquels j'ai le plus galéré, hein, ça a dû me prendre 2-3 vies. Je perds Didi là. En même temps, je vous avais prévenu. C'est-à-dire que hier, je vous avais dit que genre les niveaux où c'était de la plateforme, ça allait. Les niveaux où il fallait faire du train de la mine là, ça allait aussi. Mais les niveaux tonneaux, c'est vraiment super chaud. Et je pense que vous comprenez pourquoi c'est super chaud, en fait. Juste en regardant les images des enfers, là, que je suis en train de vous proposer. Voilà, ça c'est bien. Ah ! C'est terrible ! Non, mais parce que là, il se joue de moi. Mais ça va, je vais y arriver. Attends, je fais une pause, parce que j'ai entendu des subs dans mon oreillette. J'adore dire ça. Mais donc, il faut que je remercie des gens. Par conséquent, je descends. À Kixetic, j'ai dit merci la dernière fois. C'est, je crois, le bruit, l'odeur. Et donc, je dis merci, du coup, à Askwell pour son sub. Je dis merci également à Serial pour son sub, qui est un des premiers... Je me souviens de ton pseudo d'il y a très longtemps. Hein. Je vois que tu cumules plein de mois d'abonnement. T'es trop chou. Johnny Tartelette. Sacré Johnny Tartelette. Va falloir que tu t'expliques sur ce pseudonyme, du coup, mais je t'embrasse. Si c'est ton nom de famille, je suis désolé, c'est pas une insulte du tout, mais je pense pas, je pense que tu t'appelles pas Monsieur Johnny Tartelette. Merci à Fred BZH, un petit prime pour te souhaiter bon courage, c'est gentil. Putain, et Johnny Tartelette, il balance des bastos en plus parce qu'il envoie des subs, il a offert 5 subs. Eh ben, je t'aime déjà, Johnny Tartelette. Je t'aime et j'aime ton pseudo et Louis Le Chédard. Alors là, les gars, là, c'est vraiment... C'est la fête de la cuisine. Alors, je re-rentre dans le bang neigeux du tonneau et je vais finir ce putain de niveau qui m'énerve. J'ai vraiment envie d'avancer, quoi. J'ai vraiment... Et en plus, vous savez quoi? Franchement, je me souviens pas par le passé avoir galéré non plus tant que ça dans ce niveau. Donc c'est vraiment qu'il y a un truc de fail en boucle, de je suis en live et... Et c'est la misère. Là, il s'est passé un truc assez cool. Moi, franchement, et même celui-là, dans les 2 derniers ennemis que je viens de tuer, je me serais donné perdant. Il y a un truc assez cool dans le jeu qui est que parfois les hitbox sont pas mauvaises du tout, elles sont plutôt vraiment cool, sauf pour quelques animaux où elles sont pas ouf. Mais globalement, c'est quand même des sprites assez gros, vous voyez. Et en fait, j'ai l'impression que contrairement à plein de jeux, ils partent d'un principe tout simple qui rend le truc jouable. En fait, c'est simplement que en cas de... S'il y a conflit, c'est-à-dire que si c'est à peu près mais pas vraiment, eh ben, il vous donne l'avantage. Ce que je veux dire, c'est quand vous sautez sur un ennemi et que vous le touchez pas complètement, mais un peu quand même, dans plein de mauvais jeux, vous mourrez. Mais là, en fait, juste vous le tuez. Ce qui, du coup, rend le jeu beaucoup plus agréable et jouable. Et donc, ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est un truc que je voulais dire aussi. Et c'est important de le souligner. C'est important de rappeler aussi, pour ceux qui n'étaient pas là avant-hier, que ce jeu est un chef-d'œuvre absolu et total de l'histoire du jeu de plateforme. Yes, tranquille. Attendez, parce que du coup, je me suis fait peur. Je vais juste me poser 2 secondes. Juste 2 secondes. Parce que je me suis chié dessus, là, en fait, très rapidement. Et je vous jure que quand on finit ce niveau, on parle de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est promis. Oh là là, putain, mais ça, mais vous imaginez pas. Hein. Là, il y a ma vie qui défile devant moi. Hein.
Là, je vois mon passé, je vois mon futur, je vois les je vois le multivers là. J'ai eu peur, j'ai peur, j'ai super peur. Allez, je déménage, je démissionne, j'arrête internet. Non, je vais vous remercier, parce que j'ai entendu aussi quelques subs, et je vais recommencer. Oh là là, mais quel enfer. Effectivement, c'est absolument, absolument effroyable. Donc, je remercie. C'est pas, il faut faire des pauses. Donc, Louis le Cheddar, je t'ai déjà dit merci, j'adore ton pseudo. J'adore le fromage. Je crois que le cheddar n'est pas à considérer comme un véritable fromage, mais vous me corrigerez, peut-être me trompe-je. Merci à toi, Zikerich, pour le sub, tu régales. Merci à toi, Gouvernator, d'avoir offert un sub à François Malocena. Merci à Docteur A. Et merci à tous les gens qui, comme d'habitude, follow. Merci à Broxigar1010 pour le cheer, pour les 100 bits que tu viens de m'envoyer. Bon. Je vous jure, je vais pas arrêter. On stream depuis combien de temps, là? 50 minutes. Ça fait 50 minutes. Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup parlé avant. Ça fait pas 50 minutes que je joue. Ça va, les gars. Me prenez pas pour un nulos non plus. Je vais y arriver de toute façon. Et je vais vous impressionner. Je pense même que cette partie, c'est la partie de la win. Je pense que cette vie... c'est la vie où je vais briller. Il y aura un avant et un après, tu vois. Parce que là, je peux, tu sais quoi, je peux discuter tranquille, comme si de rien n'était, pendant que je joue au jeu. Tranquille, voilà, je me balade, je suis Diddy Kong. Je rebondis sur des trucs. Je fais pan. Je fais également pan, ici. Ça, tout va bien. Après, lui, ok. On sait qu'on peut faire ça. Ça va, on n'a pas peur. Là, c'est débile. Ça, c'est un peu idiot. Voilà, ça, c'est un peu le moment où tout dérape. Tout part à volo. Parce que j'ai essayé de me la péter, en fait. Il y a un moment où, quand on essaie de se la péter, ça ne fonctionne jamais, de toute façon. Souvenez-vous, Manuel Valls. Alors, attendez, je prends lui, je switch. Voilà. Respire au Palastur, merci pour ce conseil. C'est vrai que je commençais à devenir bleu, hop. Là, je prends lui. Ça, c'est facile. Ça, tout ça, je sais faire, je l'ai fait mille fois. C'est vrai qu'il y a quelque chose... J'ai fini Dark Souls, hein. Je tiens à le dire quand même, parce qu'il faut le rappeler parfois, quoi. C'est, j'ai fini Dark Souls, j'ai bien... Là, j'avance bien dans Elden Ring. Vraiment, je m'en sors plutôt bien. J'en suis à Lindell, Azukino. Et j'avance bien. Franchement, j'avance mieux que là. Ça m'est pas arrivé encore, Elden Ring, de bloquer vraiment une heure, quoi. 52 minutes sur un truc. Concentration. Yes, on adore. Elle me suit là. Putain. Ah, sinon ça va? Alors mais j'ai lu du coup, mais faut pas me le dire, faut pas hésiter, on s'en fout, c'est pas grave. Je comprends que effectivement les guêpes, je comprends comment elles sont placées du coup. Et je m'en doutais, mais c'est pas grave. Ouais.
Combien de vie il me reste? 24. Ça va! Ça va, on a 24 possibilités. Parce qu'après, je suis sûr que les autres niveaux, je vais pas bloquer autant, en fait. C'est évident que je vais pas perdre 10 vies par niveau. Les prochains, je vais en gagner. Et vous savez quoi? Si jamais on bloque vraiment trop, de toute façon, je vous rappelle qu'on n'est pas en train de faire une partie de... Et on fait des retro-achievements. Donc au pire du pire, si jamais je vois que je galère trop et que j'arrive pas à passer ce niveau au bout de jusqu'au game over, en fait, eh ben c'est tout simple. On va juste aller refaire des niveaux... du début du jeu et faire des retro achievements qu'on a manqué au début du jeu simplement et ça sera très sympa et comme ça après on reviendra l'esprit clair sur ce niveau et on arrivera à une performance, peut-être qu'on arrivera à faire la plus belle performance de l'histoire de Donkey Kong Country, peut-être que ça sera probablement un des plus beaux moments de l'histoire des Kong même globalement et ça comprend le film de 1933 qui est un chef-d'œuvre. Ah. Non. Je suis désolé pour ce moment. Ça passe pas non plus, ça non plus. Mais ça passe quand en fait? Voilà, ça passe là. Mais je crois que là, en fait, je me suis engagé dans un espèce de cycle où j'ai l'habitude de perdre. Genre en mode, je perds et je prends l'habitude de perdre et je me dis, tiens, perdons quoi. Mais alors, la question que je me pose, c'est que... Ah, mais c'est de la merde. On va pas pouvoir... Parce qu'il faut atteindre le niveau de Funky Kong pour pouvoir revenir dans le niveau. C'est pas grave, au pire, j'ai une sauvegarde. Je perds parce que j'ai peur de gagner. Oui, ça doit être ça. Ça doit forcément être ça. Mais parce qu'en fait, plus le temps passe, plus je me dis merde, c'est con quand même de perdre autant à ce truc-là. Et donc, du coup, je me dis là, il faut vraiment que je gagne. Alors que si j'y allais plus en mode casual, je pense que j'aurais un peu moins de mal. Putain, mais. J'ai fini Castlevania 2 pour un JDG récemment, quoi. Genre, c'était plus dur que ça. Mais c'est pas vrai! En bourrinant tout d'une traite, est-ce que j'essaie de faire genre en mode... Est-ce que... Oui, c'est moi qui jouais, effectivement, à Castlevania 2. C'est tout à fait moi qui jouais. Sur cet épisode-là, je crois que j'avais fait Castlevania 2 et Dracula. Donc, est-ce que j'essaye de faire un truc où j'y vais à donf et... Et il n'y a pas de lendemain, quoi. C'est ça que je... Genre, j'y vais à chaque fois au premier cycle, effectivement. Ah, c'est pas grave. Mais non, c'est pas possible, c'est pas au premier tour. Ah, c'est genre comme ça ? Ah merde, je me suis raté. Ah merde, d'accord. Ah oui, non, d'accord, c'est au premier tour, c'est même pas un tour, d'accord. C'est en mode, dès que je vais dedans, je fais pan, quoi. Whew.
Et ben voilà. Voilà, c'était très simple, c'était très simple. Je vous ai bien fait peur hein, quand même. Je vous ai fait flipper. Alors j'en profite pour dire merci du coup. Mon dieu, mais c'était horrible. 59 minutes. J'ai pas pris 59 minutes à faire le niveau. Faudra calculer combien j'ai pris de temps pour faire ce putain de niveau. Mais j'ai pris beaucoup, beaucoup trop de temps, quoi. C'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Non, ça va, y a personne qui... J'ai personne à remercier. Bon, donc... Balade en glissade. Avant de commencer à parler de Doctor Strange, je vais commencer à... Merci à toi, Nestor Poulpo, pour ce sub. Je vais voir si ce niveau est de la... Non, c'est bon, il y aura pas de... Là, il y aura pas de... des enfers de... Ça va, déjà, il y a pas... Est-ce que c'est pas super joli? Voilà, parce que maintenant qu'il y a plus de neige et que c'est plus dégueulasse en termes de compression, est-ce que c'est pas vraiment très joli? Là, je peux pas... Est-ce que je peux pas attraper ça parce que je suis Donkey Kong? Ou est-ce que je peux pas attraper ça parce que juste les sauts sont trop bas? Je ne sais pas. On va voir. Et alors, voyez que là, il y a une petite subtilité. C'est un jeu qui, comme je le disais, fonctionne beaucoup sur des gimmicks. Ces cordes, si elles sont bleues, elles nous font monter automatiquement. Dès qu'on se met là, là, je toucherai à rien, en fait, ils montent. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont rouges et qui vous font descendre. Je vais essayer de prendre... Ah, non, pas du tout. Mais comment je fais? Ah, mais non, je suis con, fallait juste attendre le Kremlin et lui rebondir dessus. C'est pas grave, on fera ça quand on fera la deuxième passe du jeu. Pour les lettres Kong, parce que j'imagine que là-bas, il y avait un K. Ah non, il est là. Il devait y avoir autre chose, alors. Ah. Ah. Mais... Voilà. Voilà, vous voyez, là, il y a des rouges, et du coup, elles font descendre. Je suis trop bête, c'est pas grave, j'ai fait un peu... Non, j'ai pas fait exprès. Alors, est-ce que... Non. Pff, c'est un fail total, mais comme j'ai dit, c'est pas grave, on repassera dans les niveaux... Là, je veux juste profiter un peu de cette ambiance magnifique aussi, parce que c'est vraiment un joli niveau, pour le coup. Je trouve ça cool. Après, ils ont visé le truc facile, quoi. Ils se sont dit, on va faire un niveau, il y a des cristaux. Et les cristaux, c'est rigolo. Alors, ok, lui, tranquille. Non, t'as pas raté la review de Doctor Strange, que je viens de commencer d'ailleurs. Et pour dire que, voilà, donc alors je vais essayer de pas vous spoiler, c'est ça, parce que vous ne voulez pas du tout être spoilé par du moindre truc. Hop, 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 hop. Mais en gros, c'est du coup l'histoire de Doctor Strange. Donc ça se passe après Doctor Strange, premier du nom. Et en gros, l'histoire, c'est qu'il y a un nouveau kid intern, il y a un nouveau super-héros. Qui s'appelle America Chavez. Waouh, tranquille, il y a pas de problème mon gars, les choses se passent à foison. Voilà, il y a un nouveau super-héros qui s'appelle America Chavez, qui est une jeune adolescente, qui du coup a le pouvoir de se balader dans le multivers. Et par conséquent, il y a un mystérieux méchant, que du coup je ne vous spoilerai pas, qui a envie de récupérer ce pouvoir pour on ne sait quelle maléfique raison. Ah mais merde, non, fallait retomber là-dessus. Et en gros, elle se retrouve dans la dimension de la Terre 616, qui est donc la dimension de Marvel classique et du MCU. Également, non. Ouais, je me souviens que il y a possibilité de fail en chaîne. Si tu te fais tuer du coup avec le saut, tu te fais tuer tes deux persos assez rapidement. Mais du coup oui, elle se retrouve avec sur Terre 616, qui est notre monde en gros, quoi, enfin qui est le monde dans lequel se déroulent les événements du MCU. Et elle croise la route de Doctor Strange, qui va donc la protéger pendant à peu près tout le film des assauts de son assaillant. Oh là là, la lose, c'est pas grave, je peux. Ah non, mais c'est con, j'ai rien fait pour lui. C'est vrai, c'est pas grave, il revient. Hop. Ah, mais oui, je l'avais déjà récupéré, donc il n'y a pas besoin plusieurs fois. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, c'est un film de Sam Raimi, mais je suis con, je le sais en plus, qu'il faut juste prendre les bananes et sauter. C'est un film de Sam Raimi, donc qui est le réalisateur bien connu, évidemment, de la trilogie Evil Dead, mais aussi de la trilogie Spider-Man dans les années 2000, qui avait quand même pas mal fait parler d'elle. Et qui est, à mon sens, aussi une des sagas de super-héros, d'ailleurs les Spider-Man de Sam Raimi, qui ont vraiment donné, disons, leur lettre de noblesse un petit peu au film de super-héros, et qui a permis, avec les X-Men de Bryan Singer, hein, quand même, qu'il faut pas complètement... Donc je suis pas complètement fan, mais il faut pas complètement renier non plus, de... Ah putain, niveau bonus, pas ouf. Qui est un peu responsable, oui, du renouveau du film de super-héros, avec Blade aussi, quand même.
Et donc voilà, donc là du coup il avait pas fait de film de super-héros depuis très longtemps, depuis Spider-Man 3 en fait, Sam Raimi, il avait pas fait de film tout court depuis Retour à Oz, enfin Return to Oz, j'ai oublié le nom de... en VF quoi, et il revient pour donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je trouve ça hyper cool en fait qu'il revienne. J'étais vraiment enthousiasmé par la nouvelle, mais en même temps un peu terrifié. Ça, il faudrait peut-être que je vous explique ce truc là parce que je me disais, enfin terrifié c'est un bien grand mot évidemment, mais juste un peu quand même interloqué, parce que ce truc là le fait de prendre Sam Raimi comme réalisateur, donc le premier Doctor Strange est réalisé par un mec qui s'appelle Scott Derrickson, qui fait des trucs quoi, qui fait des films d'horreur à la base, qui est un mec qui est plutôt sympathique, je trouve, que plutôt cool. Mais là pour le deuxième, du fait de différents artistiques avec la maison mère, il a dû passer un peu le flambeau. Et donc il se retrouve avec Sam Raimi. Et moi quand j'ai entendu l'annonce du fait que c'est en fait le prochain Doctor Strange, ça allait être le prochain Sam Raimi, j'étais à la fois plutôt content, donc je disais, parce que j'aime bien en fait, j'adore, je suis super fan du personnage Doctor Strange, c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel. Et même du MCU, je veux dire, c'est genre un de mes films préférés du MCU, le premier Doctor Strange. Pourtant, je suis pas un grand fan de Scott Derrickson non plus, ses films d'avant, je les aime, enfin, il y a des trucs que je trouve sympas, d'autres dont je me fous un peu, quoi, c'est pas non plus un kiff total. Mais là, j'avais trouvé que c'était correctement fait, quoi, c'était... Attendez, alors là, voilà. Faut sauter rapidement, hop. Ah non, mais pourquoi ? Il est censé monter tout seul. C'est bizarre normalement quand il lock. Bon, c'est pas grave. Je joue mal hein, depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais me reconcentrer. Et puis c'est pas que ça. C'est aussi les discussions. Donc du coup, remplacer Scott Derrickson par Sam Raimi, c'est très intriguant parce que j'adore Sam Raimi, que c'est un grand réalisateur et que c'est un vrai nerd, en plus fan de comics. Ça avait complètement du sens de prendre ce mec-là. Que la fin de la saga Spider-Man de Raimi est un peu amère parce que déjà, Spider-Man 3 est pas exactement son film, il s'était déjà un petit peu fait... Putain, c'est pas bon ce que je fais là. C'est pas grave, allez, on passe comme ça. Il s'était déjà fait un peu déposséder en fait de Spider-Man 3 déjà, qui était pas complètement son film. Toute la partie avec Venom notamment était... était pas de son fait. Lui, il était vraiment plus parti sur le personnage de Sandman, et en vrai ça se voit quand on voit Spider-Man 3, tout ce qui concerne Sandman c'est vraiment top, tout ce qui concerne Venom c'est quand même moins cool. Et du coup, en plus il y avait un projet avorté du coup de Spider-Man 4 qui n'a jamais donné lieu à rien, donc il y avait ce côté un petit peu bon, Sam Raimi, Marvel, c'est joli d'avoir essayé, ça a donné quand même deux films vraiment sympathiques, notamment le 2, moi c'est surtout le Spider-Man 2 que je trouve vraiment bon de Sam Raimi, mais ça, il y avait un goût d'inachevé, et là du coup c'est cool en fait qu'ils reviennent pour ça, donc je me disais ça, mais je me disais aussi que étant donné ce que Disney est Disney et que Marvel est ce que c'est aujourd'hui, il y avait aussi cette crainte constante peut-être en fait que c'est juste un nom pour que voilà, sur les réseaux sociaux ça dise waouh, il y a Sam Raimi qui fait un film, donc c'était peut-être juste une façon de s'acheter un peu de street cred à renfort de billets, et ensuite pour ensuite lui le niquer et pas lui donner la possibilité de faire le film qu'il entendait faire quoi. Donc j'avais ce double sentiment qui est assez symptomatique de ce que je ressens très souvent pour Marvel, et peut-être avant de parler vraiment de Doctor Strange, je vais même discuter un petit peu de ce qu'est Marvel pour moi aussi au cinéma, parce que c'est vrai que j'en discutais il y a pas longtemps, notamment avec David Honora, qui fait de Calmos, qui est une excellente... Bon, c'est la fin, il me manque une lettre, mais on a dit les lettres, c'est pas grave. On discutait de ça, et lui est vraiment pas fan des Marvel, et moi je disais quand même que c'est faut voir d'où ça vient, quoi, aussi, quand même. Moi, je suis... J'ai un point de vue qui est changeant en fait. C'est que à la fois parfois je me dis merde, j'aimerais tellement que ce soit mieux que ça. Et je pense que ça peut être vraiment mieux que ça. Et parfois je me dis quand même que c'est vraiment compliqué ce qu'ils font et qu'on revient de super loin. Et que est-ce que je suis en train de bouder mon plaisir quand je dis tu vois que je vous tutoie, ça n'a pas de sens. Mais vous voyez, quand je dis que certains films sont pas à la hauteur de ce que j'attends qu'ils soient. Je veux dire, après tout, je suis. À la base, je suis vraiment très fan de comics, quoi. Moi, je suis pas un mec des mangas. Je suis vraiment un mec de... Quand j'étais petit, je lisais des comics, quoi. Je lisais Spider-Man, les X-Men. Je regardais les séries animées. Waouh ! Bon, bah tant pis. On n'aura pas ce bonus. Je fredonnais des... Ou encore des... Spider-Man. Radioactive.
Voilà, j'étais dans ce délire-là, quoi. Et puis les années 90, quand bien même, c'était pas l'âge d'or des comics, on va pas se mentir non plus, c'était quand même des trucs qui étaient cool à lire. Mais par contre, il s'avère que, vraiment, dans les années 90, les films de super-héros, c'était quand même pas ouf, quoi. C'était pas ouf, à l'exception de Batman Returns de 92, donc celui de Burton. Franchement, c'était pas ouf. Moi, j'aime bien... comment ? Ah oui, d'accord, ça, c'est tout. En fait, non, ah oui, putain, ça glisse, ça fait chier. Attendez, je vais avoir ça. Hop, voilà, c'est cool. Darkman, c'est super, mais Darkman, c'est pas une adaptation d'une licence, c'est juste un film de Sam Raimi. Hop, hop, hop. Mais ouais, non, mais nous, on avait des trucs, des enfers, quoi, à l'époque, vraiment. Genre, on avait des styles avec Shaquille O'Neal, quoi. On avait des spawns avec John Leguizamo qui fait le Violator, c'était l'enfer, quoi. Et je trouve que, quand même, parfois, même... Je comprends qu'on soit critique, évidemment, envers Marvel, et je le suis aussi à de nombreux égards, mais parfois, faut pas aussi oublier que, avant ça, c'était les 4 Fantastiques de Roger Corman, c'était des trucs de... Mais vraiment, des films des enfers, quoi. Et il y avait des trucs bien quand même, c'est pas évidemment, il y avait quelques trucs bien. Mais je veux dire, globalement, c'était vraiment pas à se taper le cul par terre, et même jusqu'au début des années 2000, avant Nolan en fait, en vrai, avant les Batman de Nolan, il y avait quand même les 4 fantastiques versions avec Chris Evans, là, avec, c'était horrible quoi, ça, c'était effroyable. Et du coup, je me dis, c'est vachement dur, parce que, en fait, un film qui coûte aussi... Là, on a le droit quand même à une... On est dans une période où, oui, on peut critiquer ces trucs-là. Effectivement, on peut les trouver mauvais. Et il y en a certains que je trouve vraiment pas bien. Et notamment ceux de la phase 4. Là, il y en a plein que je trouve... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'imp... C'est pas grave. Si, c'est grave. Non, c'est pas grave. Si ? Non, ça va. Là, ceux de la phase 4, je les trouve vraiment rincés. Genre, Black Widow, je trouve ça vraiment rincé, en fait. Je trouve ça vraiment nul. Comment il s'appelle ? Shang-Chi ? Je trouve ça complètement générique. C'est pas merdique, mais je trouve ça vraiment complètement générique. C'est un skin. C'est, ils ont parfumé un film, une origin story... Je suis trop con. Ils ont parfumé une origin story d'arts martiaux, quoi. Mais c'est tout. Pour moi, ça a pas grande valeur. Mais je trouve pas non plus que ce soit une merde totale. Et puis, il y a toujours cette espèce d'humour Marvel insupportable. Ah, je joue mal, parce que je me concentre plus. Mais du coup, ouais, le sidekick Awkwafina, je le trouve insupportable. Il y a toujours ce truc de désamorcer systématiquement tous les moments qui peuvent être un peu, qui peuvent se rapprocher de quelque chose de sérieux dans Marvel, c'est relou. Le fait que les trois quarts des personnages aient l'humour d'Iron Man, le fait qu'il y ait des personnages complètement... qui sont tournés au ridicule au fil des films... Thor, il est grotesque maintenant. Enfin, il y a des trucs comme ça qui moi m'énervent un peu. Même si j'attends un peu Love and Thunder, hein, puisque j'aime beaucoup Taika Waititi aussi. Mais c'est pas, voilà, il y a plein de trucs que je critique. Ceci étant dit, c'est vachement dur de faire des films aussi chers, quoi. Moi, il y a un truc, et pas juste parce que, pour un mec comme Sam Raimi, se placer à ce moment-là où il est un peu attendu par les fans de comics. Après, il a une bonne réputation, hein, Sam Raimi, ça va. Mais je veux dire, à ce moment-là, arriver comme ça sur un budget à 200 millions, je crois, quelque chose par là, arriver à faire quelque chose qui soit quand même une œuvre. À lui, un peu signé, quoi, parce que c'est pas des images non signées qu'il y a dans Doctor Strange, c'est des images qui portent quand même la patte de Sam Raimi. Je trouve que moi, c'est plutôt cool. Après, et tous les trucs que je reproche, finalement, au film Marvel, est-ce que c'est pas un peu obligé aussi, quoi ? Est-ce que c'est vraiment pertinent de reprocher à Marvel la nécessité de faire de l'humour un petit peu sarcastique, un petit peu dans l'air du temps, quoi ? C'est des films à 200 millions, moi. Je comprends aussi que les gens qui bossent dessus se disent « Mais on a la responsabilité quand même de rendre ça rentable à un certain degré, et en même temps, on doit pouvoir faire plaisir aux fans. » Moi, je sais que c'est pas des chefs-d'œuvre, quoi. Je vais pas défendre ces trucs-là... mais en voyant Doctor Strange, c'est vrai que je me suis dit, mais là, il y a quand même du Sam Raimi dans le film que je suis en train de voir. C'est pas un film générique sorti complètement d'un truc de producteur qui s'en bat les couilles complètement des fans de Doctor Strange, qui en ont rien à foutre. C'est pas ça, vraiment. Là, il y a quelque chose que moi, j'ai vraiment sincèrement apprécié. Voilà, donc j'étais content vraiment de voir ça. Je dis beaucoup vraiment, je suis désolé, je vais arrêter. Mais à partir de, disons, de la moitié du film, le moment où ça devient complètement... Vous avez vu, j'ai bien fait attention de redire vraiment. Ça devient complètement un film plus proche d'un film de Sam Raimi que d'un film Marvel. Je parle toujours en essayant de pas spoiler. C'est pour ça que mes phrases sont un peu laborieuses, mais vous comprendrez la raison. C'est que ça devient au fil du film
je trouve, vraiment quelque chose de proche de ce qu'on peut imaginer d'un film de Sam Raimi en 2022 avec un gros budget. Donc c'est un peu aseptisé, ça se voit. C'est un peu une version, disons, muselée de Sam Raimi, mais c'est quand même lui, et on le reconnaît quand même. Moi, vraiment, je vous recommande de regarder ce film-là, quoi, en tout cas. Si ça vous intéresse pas la phase 4, vous vous en foutez, alors... Il faut avoir vu 2-3 trucs avant, mais en même temps, il est relativement standalone. Bon, il faut, non, il y a 2-3 trucs qu'il faut avoir vu quand même. Moi, je vous recommande d'avoir vu quand même le premier Doctor Strange, WandaVision, éventuellement les What If, même si moi, je les ai pas vus, mais Seb, il m'a dit, c'est un peu mieux quand t'as vu les What If. Donc, c'est les trucs qu'il faut suivre. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs de mise en scène. Le truc qui est compliqué pour moi, c'est de comprendre à quel degré est-ce que les idées viennent de Sam Raimi et à quel moment elles ont été un peu freinées par la production. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent dans le film. Et c'est par ailleurs le vrai problème, je trouve, des blockbusters actuels. C'est que du coup, en fait, il y a genre... quand les derniers Star Wars, moi j'ai pas eu l'impression du tout de voir des films Star Wars, j'ai eu l'impression de voir un espèce de film qui illustrait un conflit interne entre Kathleen Kennedy, J.J. Abrams et Rian Johnson. Et c'est pas, mais alors que moi je m'en fous en fait, parce que moi je suis pas du tout un mec des trucs people, des embrouilles, des gens qui font des films, j'en ai rien à foutre. Je me fous complètement de savoir que Kathleen Kennedy elle a envie de faire partir la saga dans une certaine direction, mais que Rian Johnson il a envie de dynamiter les codes et de rendre ça plus moderne, mais que J.J. Abrams il est là pour veiller au... Je m'en fous en fait, je m'en fous de ces gens, je m'en fous complètement de Kathleen Kennedy, je m'en fous de J.J. Abrams, pas parce que je les aime pas, je pourrais dire la même chose de n'importe quel réalisateur. Moi ce qui m'intéresse c'est les films qui sont montrés. Et du coup, j'ai un peu l'impression aussi parfois de voir un film en regardant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et c'est la vraie critique que je ferais au film. Il y a quelques autres trucs qui m'ont pas plu, mais ça c'est assez anecdotique. Mais le truc c'est que j'ai parfois un peu l'impression de voir Sam Raimi qui dit, les gars, j'ai une super idée. On va faire ça et on va le filmer comme ça. Et là avec ce truc là, et qu'il y a quelqu'un qui dit ouais mais attends quand même quoi, on peut pas vraiment faire ça, tu vois, on est. Et je suis même pas sûr qu'il soit de mauvaise volonté quoi. Mais c'est le genre des trucs où tu fais mais ça aurait pu juste. S'ils avaient poussé le curseur un tout petit peu plus loin, je pense que ça aurait fait un très bon film en fait. Le Multiverse of Madness. Je pense même que ça aurait fait un des meilleurs films du MCU. Alors c'est peut-être déjà un des meilleurs films du MCU en fait quand j'y repense, mais là ça aurait pu vraiment faire genre un très bon film de super-héros si juste il y avait encore un peu plus l'idée de on se lâche, voilà. Parce que l'idée, ça c'est pas un spoil parce que ça a été acté, annoncé par Derrickson, enfin teasé par Derrickson à l'époque, c'est que le film va vers quelque chose d'un peu plus horrifique. C'est pas un film d'horreur, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film de super-héros, mais qui a une dimension, disons, un peu plus, voilà, un peu plus horrifique. Ah oui, c'est vrai que c'est ce niveau-là où on se fait poursuivre par des poulpes. Et du coup, voilà, c'est un peu l'horreur chez Marvel. Et le truc, c'est que je reprends pour le coup un argument de Julien... Non, j'aurais pas dû faire ça, je le savais. De Julien Dupuis de Capture Mag, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Seb m'a dit qu'ils avaient ouvert un Twitch, j'étais pas au courant, Capture Mag. S'ils ont ouvert un Twitch, je vous recommande évidemment d'aller écouter les gens de Capture Mag qui, non content d'être des personnages qui me sont très sympathiques, font aussi des émissions très intéressantes à écouter. Mais du coup, Julien Dupuis à un moment disait, alors je crois que c'est lui, si c'est pas lui, je suis désolé pour la personne à qui j'ai volé les mots pour les mettre dans sa bouche, mais disait, je trouve de façon assez juste, que en fait Marvel c'était un petit peu McDo en mode, en gros t'as un, tous les films Marvel sont vraiment des films Marvel, production Disney, un peu tous génériques, mais qu'il y a des parfums. C'est-à-dire que quand c'est la semaine spéciale Italie, ils vont te mettre une tranche de mozzarella dans ton burger. Mais ça reste un burger de McDo, quoi. Il prenait cette comparaison-là. Et là, ça fait un peu... Effectivement, parfois, ça fait un petit peu... parfum, ça fait un peu couleur Sam Raimi, quoi. Parfum Sam Raimi. C'est de la glace, voilà, c'est de la Haagen-Dazs. Mais j'arrête de faire de la pub pour des trucs de junk food dégueulasses, d'ailleurs. C'est en mode, voilà, en mode c'est parfumé Sam Raimi. Ça fait un peu ça parfois. Mais d'autres fois, je ressens un peu l'inverse. J'ai l'impression d'être dans un Sam Raimi qui a coûté un peu trop cher pour être complètement un film de Sam Raimi. Donc voilà, donc j'ai des pensées un peu ambivalentes sur ce film-là. Je suis un peu partagé, mais que globalement, il a ma sympathie pour quelques scènes vraiment que je pense resteront dans mon esprit comme étant des bonnes scènes du MCU qui sont filmées avec une vraie.
je trouve, une personnalité. Voilà, c'est un peu gimmicky aussi pour ceux qui aiment... Oh. Non, non, non. Ils sont tellement beaux, ces petits requins. Pour ceux qui imaginent ce que ça pourrait être, en fait, un film Marvel réalisé par Sam Raimi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a les courtes focales, les travelling rapides sur les trucs et tout. Il y a les thématiques, que je vais essayer du coup de pas trop spoiler. Enfin, il y a des trucs scénaristiquement même qui font très, très Sam Raimi. Puis après, scénaristiquement, voilà, il y a quelques trucs aussi que je trouve un peu pas ouf. Je suis complètement abdiqué sur les lettres conques, par contre. On va devoir faire un gros repassage. Et il y a un truc... Alors, ça, par contre, je peux... Non, je suis con. C'est pas grave, je vais mourir exprès pour passer là-bas. Il y a un truc que je peux pas spoiler du coup, donc il faut que je trouve une autre manière d'y penser, de l'exprimer. C'est que, la, si vous voulez, disons, les motivations de pourquoi le méchant fait ce qu'il fait dans le film... Et ce sont des motivations que je trouve touchantes, justes, et qui sont intéressantes à... Comment à... Ah, c'est dur, c'est super dur, les gars. C'est vraiment très dur de pas avoir le droit, genre je joue ni oui ni non. Mais en gros, c'est cool ce que ça raconte, sur en termes de métaphore, en fait. La métaphore est cool, voilà. Voilà, il y a une métaphore cool derrière. C'est pas évident. Mais bon, ceux qui l'ont vu peut-être comprennent ce que je veux dire, j'imagine. J'imagine. Parce que là, pour que vous compreniez complètement, il faut que je dise ce que c'est. Donc je ne peux pas, parce qu'on m'a demandé de ne pas le faire. T'es super fort en métaphore. Je suis méga fort en métaphore.